Eh bien, salut à tous les amis, Cédric Cise, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur GTA V pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas là pour une patrouille ni une garde avec les sapeurs-pompiers. Je suis de retour tout simplement pour être non pas en Uber parce que ma tenue, on dirait plutôt un Uber qu'un chauffeur de bus, mais bien et bien, comme vous l'avez compris, conducteur RATP. Et nous allons conduire ce magnifique bus, un véhicule par Zado Modding disponible sur Urgence Mode. Regardez comme il est stylé. Je voulais en prendre un autre à la base. Parce que celui-là, je l'ai déjà utilisé, il me semble. Mais celui que j'avais choisi n'avait tout simplement pas de fenêtre. Il a mal été converti. Donc voilà, on repart avec cet emblématique bus RATP. Donc Renault Agora, il me semble. Et c'est le seul qui ressemble et qui correspond réellement à un bus dans la vraie vie. Donc c'est parti, on va monter à bord. Les amis, avant de commencer notre tournée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important pour ne rien louper. Donc là, on a pas mal d'informations. Donc déjà on a le fuel, on n'est pas trop mal, la vie du bus c'est bien, les kilomètres heure ça va. Il va falloir qu'on entame une ligne de bus. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? On a tout ça, LS, Richmond Hotel. Donc nous on va pas être un bus du style liaison directe de l'hôtel jusqu'à l'aéroport. On va plutôt être une ligne de bus, donc la ligne A. Et c'est parti, alors est-ce qu'on a nos arrêts qui sont déjà prédéfinis? Donc regarde, on va faire 1, 2, 3, 4. Et il est où le cinquième arrêt? Et après je sais pas où ça va, peut-être que ça monte. Ouais, on verra ce que ça fait. Allez, c'est parti, on attaque directement sans plus attendre. On va se transporter vers notre premier arrêt. Donc aujourd'hui, pas de gyro, pas de deux-tons. Alors on va éviter de griller les feux rouges, hein, même si des fois c'est un petit peu tentant. Je vous garantis pas qu'il n'y en ait pas un ou deux qui soient grillés ou d'un petit stop glissé, attention hein. Mais on va essayer d'être le plus représentatif de la RATP. On est quand même pas qu'un simple chauffeur, on représente l'image entière de la RATP. Alors autant vous dire que si je fais n'importe quoi, c'est pas moi qu'on va accuser, c'est les chauffeurs de la RATP. C'est un peu comme partout quoi, si jamais un pompier met une patate à quelqu'un sur une intervention, ça va être un sapeur-pompier met une patate à une victime sur une intervention et c'est tous les pompiers qui vont en prendre pour leur grade. Donc c'est pareil dans un peu tous les métiers. Donc c'est parti, on attaque, on a 2 km avant d'aller au premier arrêt. Et je crois qu'il n'y a seulement que 4 arrêts sur cette ligne de bus. Si jamais c'est fini trop rapidement, bien évidemment nous allons en prendre une seconde. On va quand même pas s'arrêter là. Donc là moi j'ai mis Opéra, d'accord. Et je peux bien évidemment changer les pancartes sur mon bus. Et si jamais je fais un voyage sans voyageur, j'affiche tout simplement sans voyageur sur mon bus. Donc je vous propose que l'on se retrouve dans quelques secondes une fois que nous sommes arrivés au premier arrêt de bus. Parce que là sinon ça va être de la route assez longue. A tout de suite les amis. Les amis, dans quelques centaines de mètres, nous allons nous présenter au niveau du dépôt de bus ou de la gare routière, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc regardez, là j'y arrive tranquillement. Alors lui, il s'est garé n'importe comment là. Allez, on va rentrer et on va prendre nos premiers clients. Oh, je suis vraiment garé n'importe comment, alors on va faire une petite manœuvre histoire de se mettre un petit peu mieux. Ça fait tâche sinon avec les collègues. Allez, Shift S, tac. Ah, pourquoi est-ce qu'il me prend pas Ah, c'est bon. Allez. Les gens vont monter. Oh là, la lumière dans le bus, c'est un petit peu trop.
Allez, on va récupérer tout le monde là et puis on va commencer notre tournée. Donc vous avez vu, la route était un petit peu longue, hein. Je vous l'ai mise en accéléré, heureusement, sinon ça aurait été bien trop long pour vous. Et ben si c'est bon pour tout le monde... D'accord, les gens continuent d'arriver. Allez, c'est parti. Eh ben, on y va. Alors là, il me semble que je suis obligé... Oh là. Ah non, je repars comme ça, d'accord. Non, parce que je peux pas faire le tour par là-bas, il me semble. Ici, c'est le parking, je suis bloqué avec les barrières. Eh ben, c'est parti, on attaque notre tournée. Donc, j'ai combien de personnes à mon bord? On va se regarder ça ensemble rapidement, là. Alors, oh là, j'arrive pas à voir. J'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes dans mon bus. Et le second arrêt va être juste là. Ils auraient quand même pu y aller à pied parce que le temps qu'ils m'attendent, ils seraient arrivés largement avant nous. Je vous le garantis. Ah, alors je suis mal positionné. Là, je suis un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, bonne journée. N'oubliez pas de composter votre ticket. Hop là. Je monte, je valide. N'oubliez pas. Alors, eh bien, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Tac. Allez, c'est parti. On part du coup. Elgin Avenue. Ok, il y en a un qui n'est pas assis à l'arrière. Ah. J'espère que je vais pas avoir besoin de piler. Après, étant donné que je suis quand même le meilleur conducteur de véhicule sur GTA 5, il n'y a aucune raison évidente pour que je vienne à piler. Mais on sait jamais. Dans la vie, des fois, on sait pas trop. Donc là, prochain arrêt, 200 mètres. Ouais, donc en fait, j'ai traversé la moitié de la ville pendant 2h30 pour faire... une ligne de bus qui fait même pas 1 km quoi. Eh ben c'est sympa les gars, c'est sympa. Non mais on va se refaire une petite ligne de bus après. Et pourquoi pas se faire un transilien où on fait une longue destination comme ce qu'il y avait de proposer. Là je fais une ligne de bus de ville. Et je pourrais très bien aussi faire une autre type de destination. C'était ce que j'étais en train de vous montrer, est-ce que je les ai encore là? Ouais, on va regarder ça après. Ah, j'ai cru que c'était vert, mais non, ils y vont, eux. Allez, troisième arrêt. Hop là. Messieurs, dames, bonjour. Allez-y, je vous invite à monter ou descendre. N'oubliez pas de valider votre ticket. Je monte, je valide. Et oui, le petit slogan qui fait plaisir. Si c'est tout pour vous, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et dans 400 mètres, quatrième arrêt. Est-ce que ce sera le dernier de cette ligne? Je serais un petit peu dégoûté. Là, là dans la vraie vie, je vois pas le feu. Ah si, il y en a en face, parfait. Ah, c'est mon régime moteur tout en bas. D'accord. Et au-dessus, c'est ma vitesse. Au niveau du fuel, on est bon. Wow, wow, wow. C'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu de ma faute aussi. On va se l'avouer. Allez. Oh là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il faut que je fasse demi-tour. Le dernier arrêt est là. Et je suis pas du tout dans le bon sens. Alors, il va falloir que j'aille faire demi-tour quelque part. Regardez, ça peut être mieux qu'un beau petit parking pour se faire un beau petit demi-tour. Pouah, le bus, je l'ai même pas cartouché une seule fois encore. Impeccable ça, impeccable. Ils ont bien fait de me recruter à la RATP. On s'est passé pas loin là, mais on s'en sort bien. Allez, parfait. Ce qu'il faut, c'est bien prendre en compte le gabarit. Et à partir du moment où on a conscience du gabarit, eh ben c'est bon, on est conducteur de bus. Allez messieurs dames, terminus, tout le monde descend. Merci d'avoir utilisé la RATP pour vous transporter. C'était un plaisir d'être avec vous. J'allais dire un agréable voyage, mais moi je sais pas, moi je suis conducteur. Allez, parfait.
Eh ben nickel ça. On a pris 18 passagers. Ligne A, 4 stops. Alors, on va s'en refaire une autre. Regardez. Là, c'était une ligne de... Tac. C'était une ligne de bus comme ça. Je peux me faire un truc trip. Mais je sais pas si, ça sert à quelque chose. C'est quoi trip? Sinon, on se refait une nouvelle ligne de bus. Hein. Allez. Il y a combien d'arrêts ici? On va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, il y a un peu plus d'arrêts. Eh ben, on va se faire ça. On va se transporter jusque l'arrêt numéro 1. Et c'est parti. Allez, go! 3 km. Voilà, je suis pas dans le bon sens, mais on va y aller tranquillement. J'arrive à mon premier arrêt. Hop là. On va se faire le petit rond-point tranquillement. Et nos passagers sont là, nos usagers. Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Waouh, course-poursuite de gendarmerie. Pour une fois que c'est pas moi qui suis dans le véhicule de la gendarmerie, ça fait plaisir, on fait autre chose aujourd'hui. Si jamais vous aimez les petites vidéos comme ça où ça change, n'hésitez pas les amis à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous voulez voir d'autres métiers, n'hésitez pas également à me le signifier dans l'espace commentaire. C'est vraiment votre espace. Allez, ils vont monter là, ce serait bien qu'ils se dépêchent. C'est tout là? Y'a personne d'autre? Eh ben c'est parti, on y va. On va maintenant sur Morning Woods Boulevard. Pour l'arrêt numéro 2, là c'est une ligne un petit peu plus longue. Avec des espacements plus longs entre les arrêts de bus. Il y a 1,3 km. Donc on va se faire ça tranquillement. Oh là, je crois que c'est la ligne qui dessert le campus. Donc il y a souvent des jeunes qui montent dedans. Et c'est régulièrement le boxon. Je dis pas qu'ils font du mal à qui que ce soit. Mais bon, ça fait du bruit. Alors les boules qui est, c'est conseillé. Et les amis, j'ai oublié de changer le panneau là. Tac. Attendez. Ah là. On s'est mis quoi là? Gare de Lyon. Eh ben ça c'est super, Gare de Lyon. Ouais, parce que si jamais je fais une autre ligne avec le panneau Opéra, les gens vont prendre ce bus là et vont finir à un endroit où ils n'ont pas du tout envie d'être. Moi j'aimerais bien qu'il se dépêche un petit peu. On va se permettre de le doubler lui. Il avance pas du tout. Alors que nous on a des délais à respecter quoi. Si je dois être dans 3 minutes au prochain arrêt, c'est pas une minute de retard quoi. Allez, ouais c'est la ligne qui passe devant l'université et qui en prend une partie. Mais pas l'arrêt juste devant, donc ça va. J'espère que je vais pas avoir de demi-tour à faire comme tout à l'heure. Parce que sinon c'est la misère. Alors, le prochain arrêt est juste là. Il y allait pas, alors moi j'y vais. Hein, ouais. On va juste se nettoyer le véhicule. Ah ouais, parce qu'il était, il était crado là. Ah, il faut que j'embraye, tac, et que je passe devant le véhicule hein, dès que ça passe au vert. Parce que lui, il va vouloir aller tout droit. Ou alors je le laisse passer et j'attends. Regardez, il y a même la bouche d'aération de l'échappement derrière qui est fait et tout. C'est trop stylé. J'ai confondu les deux bus. Il y a même la petite vitre à l'arrière. Bah, je vais les laisser passer. Non, c'est bon. Alors. Messieurs, dames, bonjour. C'est la ligne 63. C'est parti, je vous laisse monter. On a combien de passagers là, du coup? Nous avons... Voilà, qu'une seule passagère dans notre bus. Et pourquoi elle a pris peur? Voilà, d'accord, il y a un autre bus qui veut s'arrêter. D'accord, on va essayer de se dépêcher là, ce serait bien. Allez, c'est parti, on y va. On va laisser l'autre bus derrière nous faire l'arrêt. Et on part à 800 mètres de là pour le troisième arrêt de cette deuxième ligne de bus. Ça sert à rien ce feu rouge. Ah, je vous garantissais pas que j'allais m'arrêter à tous au début. Ah ouais, là, d'accord, on va dans le côté UP de la ville, c'est nickel. Oh là! Ah là là, mais il est sérieux, lui? Moi, je pars du principe que si j'ai vu le feu vert, il est vert quand j'arrive. Ça me fait gagner un petit peu de temps sur mes courses.
Et le prochain arrêt va être là-bas. Vous pouvez bien me pardonner quelques feux rouges, hein, sinon ça va être très long. Hein. Autant vous dire que ça prendrait autant de temps de faire Paris-Marseille que de traverser la map de GTA 5 en bus, hein, si jamais je devais respecter les feux rouges. Allez-y, montez. Je monte, je valide. Et oui, c'est la troisième fois que je la fais, celle-là même. En conducteur de bus, on n'a pas trop d'autres choix. Allez, c'est bon. Allez-y, il y a une dame qui sort. Tac. Allez, parfait. C'est reparti, 400 mètres de là. Et nous allons déposer les usagers des transports en commun qui ont l'agréable chance de voyager avec la RATP. Et moi en conducteur, c'est encore mieux. Autant vous dire que c'est même pas un privilège, c'est bien plus que ça. Un honneur pour eux d'être avec moi. Allez, quatrième arrêt, juste à côté. En plus, on a la chance, on a tous les feux au vert. Et il y en a des bus, hein. Allez, ce serait bien qu'ils se dépêchent là, que je puisse traverser et déposer mes usagers. Car ça ne s'appelle pas des clients, je crois, à la RATP, mais des usagers. Allez, me voilà au quatrième arrêt. Mesdames, messieurs, bonjour. Allez-y, je vous laisse monter. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est bon. Ah ouais. Et là, il y a beaucoup plus de monde sur cette ligne-là que sur celle de tout à l'heure. Déjà, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes dans mon bus. Ah ouais, c'est la classe. Hein. Là, on est utile. Ça, c'est un métier qui rend service. Tous les métiers sont utiles, hein, mais sinon ils n'existeraient pas, c'est évident. Allez. 250 mètres, 5e arrêt. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh là! Oh les amis! Il y a peut-être un souci là, il y a la police apparemment qui souhaite m'interpeller. Ah, c'est vraiment pas bon ça. Oh, c'est rien là, ils vont même pas venir. J'y suis pour rien moi. Allez, parfait. Allez madame, s'il vous plaît, pardon, pardon. Non, 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 ils vont pas venir, ils vont pas venir. Je vais quand même pas être obligé de prendre la fuite avec un bus, attendez. Non, c'est bon, c'est bon. J'espère quand même qu'ils vont lâcher l'affaire, attendez. une simple ligne de bus qui finit en course-poursuite avec la police. Parce que des personnes ont décidé de se jeter sous mon bus, quoi. Allez, c'est reparti. On va au 7e arrêt. Je vais essayer de les semer, moi. C'est bon, impeccable, c'est fait. Allez, bah du coup, maintenant que ça avance, hein. Quand même avec un bus et une étoile, on arrive à semer la police, quoi. C'est ouf. Alors là, il y a un petit peu plus de route, hein. Ah bah, on retourne à la gare de bus. Bah, c'est parfait, ça. On rentre au dépôt. C'est nickel chrome. Hop. Ah, j'avais déjà les feux, d'accord. Allez. C'est pas un stop, hein. Enfin, c'est un stop, c'est pas un parking, hein. Bah oui, hein. Si personne n'y va, moi j'y vais. Bah oui, eh, tu vois pas que je m'engage? Personne ne sait conduire dans cette ville, en fait. C'est la misère. Allez, nickel. Allez, je me permets, je passe. Et puis c'est parfait, ça. J'espère que j'ai pas trop à manœuvrer. Oh, y'a aucun bus, c'est parfait, ça. C'est lequel, moi, mon arrêt? C'est lui, toujours. Parfait, allez. Messieurs, dames. Merci de descendre.
Et parfait. 24 voyageurs, 7 arrêts et 1240$ de frais. C'est parfait les amis. Et puis ça va marquer la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé car pour moi c'était comme d'habitude un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va se dire à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixiz, prenez soin de vous et ciao bye bye.